qui nous ont proposé aujourd'hui un compteur. Et ils sont partis. Merci Nick de nous tenir et merci au public de réagir. C'est parti pour la course de Grand Chat avec le public à venir. Et Servi Miller qui a pris la défense très fort. Et on se croit dans une course de char puisque nous avions tout de même Jean-Philippe Ravjot qui a décidé de se lever sur son rocard tel qui est un peu bénur en effet. Pour saluer le public, ils sont partis donc pour un tour de piste et ils sont partis sur le bon pied. Je pense que le public va forcément, en tout cas ceux qui ont eu la chance d'être tirés au sort, vont vraiment profiter de cet instant. Alors je ne sais pas si François Nicole sera tiré au sort pour la deuxième course de road car, mais ça pourrait un petit peu amener de spectacle. C'est une idée ça. Ça c'est une idée, après c'est tirage au sort. Il faut dire que dans le premier tournant, je pense que les gens du public ont dû un peu serrer les fesses parce que vous avez la force centripète qui vous envoie à l'extérieur. Il faut là, faut s'accrocher un petit peu à la vitesse où ils vont. Hein. Un tour à courir. Alors, ils sont repris un petit peu, ce qui me semble raisonnable pour la ligne d'en face dans cette course. Et on n'aura pas le temps de monter dans notre tribune pour commenter cette course. On va un petit peu improviser. Je crois apercevoir la Kazakh d'Emeric Thomas à l'arrière-garde. Peut-être fait-il une sorte de course d'attente alors qu'ils disparaissent derrière la butte, puisque nous sommes ras des pâquerettes. Nous sommes même moins haut que vous qui êtes sur la butte. Vous avez eu raison de vous mettre là pour voir la course bien mieux que nous. Ils sont 8 en course en tout cas. Oui. Le peloton est vraiment serré, donc c'est bien, ça va donner un final. Parce que là, tu vois le peloton, là. Oui, je l'imagine, je traverse. Ça va donner un final, à mon avis. On voit les têtes, là, qui apparaissent. Ils vont certainement s'ouvrir en éventail. Attention, là, c'est là que ça va se jouer, là, dans les 50 prochains mètres. Attention. Bon, heureusement, on aura Pierre Ménelvieux tout à l'heure pour la deuxième course de trotteur. Lui, il saura commenter une course. Merci, Willy, en tout cas. On est à mi-ligne droite. Philippe Pelletier est là. Et vous applaudissez très fort. Charlie Marie. Charlie Marie sur l'avantage, c'est le numéro 1 et il salue son public. Allez Charlie, disent les Mayennais, le 1 devant le 2, c'est-à-dire Charlie Marie devant Arnaud Leduc. Eh bien la Mayenne peut être fière, Charlie Marie a gagné la course.